Toi, je sais d'où tu viens. Apprends pas cet air penaud, je sais très bien d'où tu viens. Tu viens du stream que j'ai fait sur X Multiply, c'est ça? Et toi aussi, tu as été déçu que, après le premier crédit, pour continuer, le jeu crash, on n'a pas pu voir la suite. Alors que, t'as vu, j'étais un petit peu enthousiaste, quoi. Bon, rassure-toi, tout va bien se passer. Je vais essayer de faire un run plus long dans ce jeu pour le découvrir plus loin, parce que il m'a mis la puce à l'oreille, et je trouve le jeu pour un shmup de 1987, ou 89, je sais plus, je trouve que c'est un jeu qui est bien foutu, et qui est pas mal original sur le concept de bouclier avec le vaisseau. Je persiste à délirer là-dessus, quoi. Présentation, parce que vous êtes foncé le stream précédent. Vachement ce clone de R-Type et Gradius, bah c'est ce bouclier amovible qu'on peut balader devant, derrière, qu'on peut à peu près précisément positionner. Alors je dis oui, à peu près précisément, parce que si vous regardez bien, quand vous bougez pas, vous vous laissez porter par le scrolling, votre bouclier lui va se remettre direct à la verticale. Donc niveau protection, ça va être un peu, bah faut que vous ayez pile à ce moment-là une envie de protection verticale, quoi. Mais si les boulettes qui viennent devant ou derrière vous inquiétez, c'est un peu tard. Donc du coup, ça sous-entend de bouger souvent, en fait, dans ce jeu, et c'est rigolo. Et je trouve qu'il y a plein d'idées, parce que regardez-moi ça. Les décors évolutifs, de la boulette quand même, t'es servi. Et vous allez m'entendre crier, c'est obligé. On peut changer son chemin dans le décor. Il y a vraiment plein de trouvailles, en fait, je trouve, dans ce jeu, et c'est pour ça qu'il m'excite beaucoup. Alors, je vous rappelle quand même que je suis une burne. Pour les shmups horizontaux, je vais mettre 30 crédits. Comment ça, monsieur, cela joue safe? Bob. Je me connais, quoi. Je vais pas pouvoir tracer comme je veux au milieu d'un jeu que je connais pas. Allez, soyons forts. Alors les S, c'est les speeds, de ce que j'ai compris. Les B, c'est une potentielle bombasse. Ou un bonus de tir. Et mon bouclier, c'est lui qui va nous faire la night. Alors du coup, ce bouclier est génial parce qu'on peut s'en servir pour caresser les ennemis et les faire péter plus vite. C'est quand même vachement pratique. Ceci dit, ça demande un positionnement assez fin, et puis de bouger sans arrêt pour bien rabattre le bouclier qui, lui, regardez, si je bouge pas, hop, il revient. Ok, je vais éviter le speed, ça m'a porté malchance jusque là. Regardez-moi cet anéantisseur que je fais maintenant. Oui, le premier tableau, je commence à me crier. Mais c'est après que vous avez commencé à rigoler. Et le truc chiant, c'est que vous n'êtes pas là pour rigoler, parce que si vous rigolez, ça veut dire que moi, pendant ce temps, je pleure. Et c'est moche. Donc la grosse finesse de jeu, c'est ce damné bouclier, puisque tant que vous ne le maîtriserez pas, vous allez quand même pas mal galérer. Alors qu'une fois que le truc est pigé, géré, assimilé, regardez-moi ça, c'est du bonheur. Et ça rentre comme dans du beurre, et oui. Allez, très. The earlier, the better. Et voilà. Alors, comme vous l'avez probablement vu dans les streams précédents, je me laisse encore un truc. Les boss sont pas très longs à péter. C'est étrange. Et là, on se tape le deuxième tableau. Est-ce que je prends le speed? Non. Le deuxième tableau avec le vaisseau géant qu'on va devoir contourner sans se faire pulvériser. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas gagné, parce que si je perds mes bonus, là, je vais être super malheureux. La vie sans bouclier dans ce jeu, c'est d'une tristesse, vous n'avez pas idée. Donc voilà, là, ça se passe pas trop mal. Faudrait pas que je merde maintenant, c'est moche. Ça sentait le chlore.
Le chlore est le liquide d'embaumement, moi je dis. Ouais. Faudrait pas que je reste trop contre le truc là, s'il y a un vaisseau qui a l'idée d'arriver. Ça peut être triste pour moi. Je sais qu'il y a un truc en bas là. C'est un peu le merdier. Regardez-moi ça. J'ai réussi cette fois avec succès. Je veux pas prendre le speed. Je veux pas du speed. Je suis pas le speed. Et là on va prier pour que ça se passe bien parce que c'est pas gagné. Non, j'en veux pas. Mets-toi là et bouge plus. Regarde comme t'es bien. C'est un safe spot. On va dire que c'est un safe spot. Ce sont tes amis. Ils ne le savent pas encore, mais ce sont tes amis. Watch. Oh là. Et alors là, regardez-moi cette gueule d'amour. Ça a pas l'air trop anodin. Salut. Non, tu restes côté. Hop. Ça va bien se passer. Peut-être. Connerie à pas faire, je l'ai fait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu refais tout autour. Le tour complet du vaisseau. Tu vas le refaire jusqu'à ce que tu maîtrises. Jusqu'à ce que tu puisses jouer en dormant. Allez, on y va. J'ai des super boucliers. Ce serait moche de les perdre maintenant. Parce que ces boucliers magnifiques, il n'existe qu'à un seul exemplaire. C'est celui fait spécialement pour ce vaisseau. Et si je vais pas au moins jusqu'à la tête, mes viewers vont m'en vouloir pour 15 générations au moins. Crac. Ne suivez pas, vous. Comment ça, monsieur K, tu parles tout seul, c'est un jeu. Quoi? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Non, toujours pas. On va y arriver. Non, toujours pas. Bon. Bim, tu bouges, il va foncer sur toi. Donc tu bouges, ok. Je parle à ma mémoire, que les gens vont pas remarquer. Bim, raté. Le premier qui enchaîne sur des paroles totalement vulgaires, il sort de ce stream, je vous le dis tout de suite. C'est pas le moment de le piner celui-là, on y va. Rappelle-toi, c'est monsieur 1-2-3, ok. Tu restes pas en face quand il sort. Non. Ne le regarde pas dans les yeux. Ne le regarde pas dans les yeux, trop tard. Ah putain, il m'a gueulé. Ne le regarde pas dans les yeux. Il va foncer sur toi. On n'arrivera jamais à streamer ce jeu. Tranquille. Laisse le faire, il s'énerve tout seul. Ah, il s'énerve tout seul, c'est ce que je te disais. Personne m'écoute, moi. Yeah! Niveau suivant, nous voilà, enfin, un jour. Alors là, ça va être long. Mais ça va être encore plus long, quoi. Faut pas que je lâche l'affaire. Et je me rappelle de ce troisième niveau, quand même. Non, bah c'est déjà celui-là qui m'a fait une misère. Oh, bienvenue en enfer. On est en enfer, les amis. Non, mais je spoil pas, hein, c'est vrai. On est juste en enfer. Il existe, regardez, c'est ça. Puis laisse le bonus, c'est pas si important que ça des fois. Tu sais. Du moment que tu restes alive, c'est déjà pas mal. Non, pas les speeds. Alors les speeds, c'est traître. Il y a un moment, faut absolument éviter de choper les speeds parce que ça va vous porter sérieusement préjudice, quoi. Vous allez le regretter, mais
de tout ce que votre porte-monnaie a comme argent sonnant et trébuchant, quoi. Bon, je me casse de là, ça pue. Oh, les Kong. Oh, les Kong. C'est pas très sympa, ces trucs, hein, mine de rien. Vous avez vu la gym? Non, le speed, tu prends pas, on a dit. Et là, ouais, non, c'est pas encore le niveau méchant, c'est le troisième, le vrai méchant. Mais là, c'est déjà bien. Bien. Là. Hop, j'oublie mon bouclier, je l'ai où? Je l'ai dans mon... Dans mon quoi? Dans mon vaisseau, eh oui. Et ça, c'est... Et ça, c'est moche. Non, rien. Non, rien, vraiment. Rien du tout, regardez. Même pas ça. Ça, non plus. Et ça, alors là, il va y avoir un moment de panique, je pense. Je me rappelle plus. Il y avait une connerie. Il y avait une connerie, mais je me rappelle plus. Elle était énorme, mais j'étais tombé dedans du premier coup. C'est quoi? Hop. Alors, speed, on ralentit, et c'est là qu'on va commencer à souffrir. Mais en fait, j'avais pas passé le deuxième tableau, à vrai dire. Pourquoi j'ai pris le ralentissement, en fait? C'est une erreur. Oui. Non. Rappelle-toi qu'il y a un moment, il y a un truc qui va se passer, mais je me rappelle plus du tout ce que c'est, et ça va être douloureux, ça va être pénible, ça va faire mal, ça va piquer, je vais pas être d'accord, c'est un peu comme une scène de pas très agréable dans un film, mais voilà, il va vouloir me faire du mal. L'abnégation, je ne vois que ça. Ou voilà, c'était là. C'était là, il fallait pas que je me plante ici, putain. Pff, reste à gauche. Avec ton piou-piou-piou, tu vas lui défoncer sa gueule. Il va couiner comme une petite vierge qui implore qu'on ne touche pas à ces exemplaires collecteurs de Martine. Parce qu'elle a Martine et le poney magique. Et ça, très très peu de gens l'ont pas. Putain, ça merde. Ne reviens pas tout de suite, putain, espèce de crétin transdimensionnel. Oui, ça, c'est la grosse insulte. Quand je dis crétin transdimensionnel, c'est que là, je suis vénère. It happens. Piu-piu-piu, il y en a besoin. Non, barre-toi. Est-ce que t'es mieux quand il sort à l'horizontale que à la verticale? Alors, moi, je dirais oui. Donc, l'idée, ça serait de le faire plonger en bas, peut-être. Pas trop tôt, toi. T'as pas entendu, mais quand même pas loin, quoi. Maintenant, tu restes à gauche. Mais vraiment. Sans rire, quoi. T'es bien à gauche, non? T'es pas bien à gauche, rien. Ouais. Toi, t'es bien à gauche. Putain, c'est trop bien d'être à gauche. Yes! Et maintenant, on va rentrer dans l'enfer pavé d'enfer infernal, quoi. Genre là, ça va être... dans tes dents, quoi. Alors le speed, je vais éviter. Parce que j'ai remarqué que le speed n'était pas mon ami. Et... c'est les lasers! Non, les lasers! Alors, les gens qui ont vu les streams précédents, bah, ils ont spoilé. Et moi, je me rappelle comment on les nique. Ah, faut juste que je me mette dans la bonne position, connard! Bon, allez, ok. Mets-toi le bouclier là-dessus. Faut péter d'abord celui en bas à droite. Ensuite, celui en haut à gauche. Il faut avoir l'occasion de mettre ses bouclards dessus, ce qui n'est pas gagné, vous voyez. Et tant qu'il y en a 4, c'est le bordel à gérer. Tu vois? Donc celui qui est là, faut que je lui mette mes bouclards sur la gueule, pour être très précis. Coucou, tu veux voir? C'est fini, tu verras plus. Hein. T'es mort. Espèce de... Passe, ne le prends pas. Voilà. Donc l'idée, on repart. Hop, tu te mets là, tu lui mets les bouclards sur la gueule. Attends qu'il apparaisse. Là, ah, fabuleux. Tu vas là-haut. Hop, regarde. Hé, fais-moi le malin. Tu lui mets les bouclards pareil. Hop, tranquille. Pas de stress. Zéro stress. Do not stress. It's forbidden to stress. The stress is not your friend. He's dead. He's also dead, but he doesn't know yet. Oh yes. But where is mom? She's in the kitchen. She's doing the meal. Oh, putain. Oui, je fais bien, Bernie. Je le sais. C'est ça qui me fait peur, des fois. Alors, on va se faire les autres, là. Tranquille. On se barre. Le temps que je repositionne dans mon esprit le dernier, là, qui va me... Et il disparaît carrément. Ok.
Je te panique pour rien. Oh, j'ai droit à un petit coup là. Crash, c'est le niveau maudit. Oh putain, non. Alors, je vous explique, on était resté coincé là au précédent stream. Parce que c'était quand même violent, il y avait des passages un petit poil pervers. Hein. Enfin, un petit poil pervers, ça c'est la version soft. Moi je dirais carrément immonde, parce qu'il faut temporiser le moment où tu vas passer. Bah, ça c'est le début. Donc, moi je vais y aller mollo. Oui, le pad, on va l'entendre queener, je vous le garantis, ça c'est sûr. Ah, vous aimez bien quand il fait quick, quick, quick. Hein. Bah, moi j'aime pas, ça veut dire que je suis vraiment en mode panique. Ouais. Et les mecs qui reviennent par derrière, ils hésitent pas à tirer, quoi. Alors que vous êtes en mode focus en train de faire. Moi je veux que tout soit zen, on est tous des petits Fonzie, regarde. Non, ce n'était pas une bombe de mousse à raser. Ah, putain. Alors, je vais insister un moment sur celui-là, mais vous m'en voudrez pas si, au bout d'un petit moment, j'habite, parce que il est particulièrement casse-burne. C'est vraiment une mémorisation aux petits oignons. Et maintenant, oui, je peux le dire, j'ai la conclusion de mon stream. Ce jeu n'a pas marché, parce que... Faut réellement mémoriser au poil de cul, quoi. Et ça, dans un truc d'arcade, tu fais pas ça, le mec il est de passage, il va pas jouer longtemps, et dans le peu de temps où tu le vois, il faut qu'il ait un bon souvenir de toi, quoi. Tu balances pas des merdes comme ça. Hein. Sur ça, oui, c'est sur ça, le jeu est pas terrible. C'est une autre technique, j'essaye. Et ça, c'est le côté magique, ouais, des shmups horizontaux. Maintenant, l'heure, j'insiste avec ça, c'est pas lourd, mais c'est mon fond réel, ce que je pense réellement. Ce côté mémoire, c'est leur exclusion du monde de l'arcade, quoi. Tu peux pas imposer ça à un mec qui fait ça en arcade. Je radote ? Non, pas du tout. Fuck it. Fuck it. Putain, je savais que ce truc me faisait chier, quoi. Lui, j'avais dit qu'il y aurait des expressions absolument abominables. Il me l'a compté, mais du coup, je repars là où il y a le piston maudit. Oh putain, c'est bon, je me rappelle. Alors ça, faut y péter absolument et très vite. Et avec un petit tiers de merde comme ça, je vous dis, c'est le total stress, puisqu'il faut que je récupère entre-temps mon bouclier. Comment ça, je parle comme le mec qui présente les jeux sur table Oui, bah, j'aime bien, moi aussi. Il parle très très vite, mais ça reste super intelligible, contrairement à moi, où on peut ne rien comprendre très facilement. Et là, il faut que je passe dessus. C'est très chronométré. Parce que si, voilà, je saute trop à la bourre, je peux plus passer après. Et je suis... baisé. Il va me pourrir la vie, le bleu. J'en étais sûr. Alors c'est que ce bouclier, faut vraiment le maîtriser, parce que c'est l'axe de survie de tout le soft. Soit. Oh la pénibilité, tu passes. Tu attends. Tu te méfies du connard bleu, il va venir te faire chier si tu le flingues pas. Putain. What is the thinking you're bitch? Nah, not the blue. Sa mère. Le bleu. Yes. 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 Pourquoi tu t'es mis sur cette boulette? Allez, hop, hop, hop. Blue. Comment ça, je dis tout en blue? Non? Fuck you. My mommy was a Labrador. Pas de speed. Surtout pas de speed. Non. Je me suis fait niquer tout à l'heure. Par contre, faudrait que j'y aille. Va falloir y aller. Vite. Oh! Alors, il y a encore une feinte, là. J'ai l'honneur de vous dire qu'on est arrivé vers le boss. Faut juste attendre ça et que ça se passe bien. Et alors là, je me rappelle plus de la blague. Ah oui, il me fait des conneries, faut que je... Les trucs rouges. Rouge. Focus sur le rouge. Le rouge. Toujours le rouge. La tête. Il y a une tête. Il y a une blague. T'es mort. Je suis mort. Ça y est, je suis mort. Je vous l'avais dit, hein.
Ce jeu a une difficulté quand même qui est. On va y arriver. Pas avec un petit tir, c'est très décourageant. Alors c'est, je le redis encore, hein. C'est ça, moi ce que j'aime pas dans les horizontaux, c'est non seulement tu dois mémoriser comme un con tout ton tableau, j'utilise des termes techniques, hein, je suis désolé, mais non seulement tu dois mémoriser tout ton tableau, mais en plus, fais-moi repartir au boss. Ouais. Mais en plus. Le fait de perdre ton armement, quand même, ça fout un gros coup au moral. Voilà, j'ai fini ma phrase. On va se coucher. Allez, bonne nuit. La teuté. La teuté, un safe spot. Un safe spot, la teuté. La teuté, un safe spot. Un safe spot, la teuté. Ah, putain, la connasse. Calmos. Laisse faire, laisse faire, laisse faire. Pas assez tôt ou trop tard, mais t'es. Et il va y avoir du givre aujourd'hui. Coucou. Tu veux voir mon téléphone? Non, mais reste là-haut, hein, pour que mieux vous compreniez que je vous aime pas. Et j'en ai niqué deux des trois déjà, c'est pas mal. Pas mieux là? Ça va mieux quand il n'y a plus qu'un truc à gérer. Hein. Il y a quoi qui pète là? Parce que, à part lui, j'imagine pas grand monde d'autre. Hein. Il va m'envoyer la tête. Ah putain, tire pas toi, tire pas. Oh, je l'ai vu ton truc rouge! Alors ça pourrait, hors contexte, ça pourrait prêter à confusion. Je m'en excuse. Pas content, toi, ça sent. Fuck! Yeah! Que ça a saturé. Oh là 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 là. J'ai pas de boucle là. Je vois. Je veux prendre un speedrun bouclier, les gars. Le calvaire du bouclier qui va jamais arriver. Ne le ratez pas, c'est tout de suite au début de ce niveau. Je sais pas si c'est une refilée quand même de. Putain, heureusement j'ai joué à des caves, hein. Parce que vraiment, sans bouclier, tu fais comment là? Je comprends de plus en plus, hein, toutes les choses qu'on n'a pas dit au sujet de ce jeu et qui deviennent absolument flagrantes d'un coup. Donc, ouais, non, mais tu démarres le niveau sans bouclard, le premier bonus qui arrive, c'est un speed. C'est sympa. Et qu'est-ce que tu veux faire d'un speed si t'as pas les bouclards, t'as du bordel à l'écran? Enfin, faut que je passe là-dedans, dans cette purée. C'est beau, hein? C'était beau, mais parfaitement inutile. On va essayer de passer à fond la caisse.
c'est de l'énergie du désespoir, comme on dit. Il y a une petite hésitation qui fut quand même très... Et ça repousse cette connerie, ou j'ai rêvé? Même pas besoin de ton speed, je crache tout seul, regarde. Oh là 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 là, je suis en train de m'énerver. Et vaincre un boss bien pénible, juste pour ça quand même.